Bonjour vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Évidemment c'est une nouvelle vidéo, bien sûr. On se retrouve aujourd'hui pour un haul. Un haul avec des cadeaux d'anniversaire. J'ai reçu des vêtements pour mon anniversaire et je me suis dit pourquoi pas le compléter parce que voilà, mon haul, c'est pas un big haul. C'est tout petit, donc je me suis dit je vais rajouter des vêtements, ça peut être sympa. Sur Snapchat, ici, rejoignez-moi. Allez-y, on s'amuse bien avec moi, non? Vous avez demandé si vous voulez plutôt un haul ou une routine teint spéciale été. Vous m'avez dit un haul, enfin la plupart des gens m'ont dit un haul. Enfin les gens qui sont répondus, vous étiez trois. D'ailleurs ces trois personnes, je vous fais des gros bisous, Pauline, Hélène et Virginie. Et d'ailleurs pour vous remercier d'avoir donné votre avis, je vous mets vos chaînes en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller voir. Ils sont top, les chaînes sont juste là. Et c'est parti, on va commencer. Oh, avant de commencer, merci beaucoup, on a atteint les 200 abonnés cette semaine. Waouh. Ça va bientôt faire un an que ma chaîne est ouverte. C'est peut-être rien de 100 abonnés en un an, mais moi c'est énorme, donc merci. Tu devrais commencer quand même. Oui, on va commencer, c'est parti. Alors ce haul va être composé en fait d'une partie beauté et une partie mode, donc la cosmétique et les vêtements. Donc on va commencer avec beauté privée. Et récemment, il y avait une vente privée, L'Oréal Maybelline, je crois, enfin un make-up à prix coûtant. Et je vais vous dire les prix, j'ai la facture juste ici sur mon téléphone. J'ai acheté ceci dans un premier temps, donc c'est un pinceau poudre XXL de type Kabuki. J'aime beaucoup, j'en avais pas en fait de ce type-là. Il m'a coûté 3,50€, franchement j'ai pas trouvé ça cher. Il est plutôt pas mal pour estomper, j'en avais besoin d'un pinceau comme ça. Ensuite de la marque L'Oréal, j'ai acheté ceci, donc c'est le Nude Magic, la Blue Cream. C'est un lisseur perfecteur instantané. Il va flouter vos pores, flouter vos petites imperfections pour la journée. Vous pouvez l'utiliser avant ou après le maquillage. Là, moi, je l'ai utilisé en base. Et ce qui est vraiment cool, c'est la teinte universelle. Ça va à tout le monde. Et je l'ai eu pour 7,20€. Toujours de chez Beauté Privée, j'ai acheté un bébé stick. Celui-ci de chez L'Oréal, franchement, c'est une tuerie. On avait déjà vu sur des vidéos YouTube, il suffit hop, voilà, hop, de le passer comme ça, un coup de stick. Et d'estomper avec votre pinceau. C'est la teinte peau claire à médium. Parce que voilà, généralement j'ai la peau claire. Mais c'est exactement la couleur de ma peau. Vraiment bien. Je l'ai eu à 6,90€. Franchement, je vous conseille ce site Beauté Privée. Si vous ne connaissez pas, de foncer. Il y a toujours des promos de malades. Des super affaires. Et franchement, je ne regrette pas, je vous conseille. J'ai commandé également ce rouge à lèvres. Quelle marque ça? Merci Ipsy. C'est la marque. C'est la marque Jamais Maybelline. La référence c'est 0,60 Citrus Slice. Et c'est le rouge à lèvres Color Sensational Pop Stick qui se présente comme ceci. Il est un peu transparent. Je sais pas si vous allez très bien voir. Je vais vous montrer juste là. Hop. Pensez vraiment qu'elle allait mettre mes lèvres en cette couleur quoi. En orange, mais pas du tout. Ça apporte un petit brillant. Je suis un peu déçue. Et le rouge à lèvres, je l'ai eu pour 5€. Donc je vais pas non plus râler. Il était vraiment pas cher. J'ai également acheté un vernis, donc celui-ci c'est le Color Show de chez Maybelline. C'est la couleur 341 Orange Attack, un très joli orange. Je n'ai pas encore mis sur mes ongles parce que voilà, au travail je n'ai pas le droit au vernis puisque c'est une entreprise agroalimentaire, donc si vous voulez retrouver dans vos aliments du vernis. Et je l'ai eu pour 1,90€, vraiment c'est vraiment pas cher du tout. Sur Beauté Privée il y avait également une vente de parfums et j'ai acheté ceci, donc c'est la Brume Parfumée de chez Victoria's Secret Dream. Oh, mais... c'est une tuerie, j'adore. Oh, ça sent trop bon. Vous mettez ça sur vos cheveux avant d'aller vous coucher. Enfin, oh, ça sent trop bon. Oh, ça... mmh. Oh, je kiffe trop cette odeur. Vous en voulez? Sentez maintenant, YouTube, il a fait un nouveau truc. Il paraît que hop, on fait piche piche là et ça sent chez vous. Sentez. Non, je déconne. Vous avez cru en vrai? Non, sérieux. Trêve de plaisanterie, c'est une tuerie, cette brume. J'en mettrai partout, dans mon lit, dans mes draps. Enfin, l'huile de drap, c'est pareil, non? Dans mon divan, partout, même sur mon appareil, t'as vu? Et je l'ai chopé pour 10,50€. Mmh, mon produit favori du moment. Oh, je peux me marier avec. Par contre, c'est du plastique, quoi. Vraiment, le packaging est un peu cheap, mais bon, l'odeur, elle est là, c'est pas spécial. Bon, après, j'ai pris un shampoing. Comment dire que je n'en peux plus de mes cheveux, ils sont gras, gras, gras. Donc c'est le shampoing Keranov, légèreté et pureté, cheveux gras. Élimine le sébum et purifie, je vais essayer parce que j'ai tout essayé. Les masques, les après-shampoings, les shampoings, au bout de 2 jours, mes cheveux sont gras même. J'ai l'impression que mes cheveux s'habituent à tout quoi. Je ne sais plus quoi faire, au bout de 2 jours, mes cheveux sont gras. Pour 1,30€, de toute façon...
Et pour terminer, j'ai acheté le méga volume manga en couleur bleu turquoise. Donc c'est ce que j'ai sur les yeux. Je l'adore, il est vraiment trop bien. Par contre, j'ai l'impression que voilà, c'est pas très très bien dessiné au niveau de la brosse. Je sais pas si vous pouvez voir. Mais sinon, il fait un très joli rendu. Je sais pas si vous voyez bien dans le petit close-up que je vous fais. Mais je le trouve super beau. Mais par contre, il faut pas faire un maquillage chargé. Enfin, vous pouvez, hein, mais c'est pas ma conception du maquillage en tout cas. Mais il est très bien. Et je l'ai chopé pour 4,90€. Donc au total, de toute cette commande, j'en ai eu pour une quarantaine d'euros pour tout ça. Enfin, c'est super cool. Deuxième commande que j'ai fait chez Vente Privée. Oui, je fais tous les ventes privées. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo, quel prix je peux mettre dans mon make-up. J'ai une vente de Make-up Forever. Donc j'ai tout de suite sauté sur l'occasion parce que je trouve leurs produits très bien, mais trop cher. Dans un premier temps, j'ai acheté le fond de teint HD. C'est la teinte numéro 127 sable foncé. Donc il fait 30 ml. Franchement, enfin, je l'ai pas encore essayé. Je vais vous montrer quand même, mais je crois que je l'avais essayé, si, il me semble. Et je l'ai payé 14,90€, donc je trouve franchement ça vaut le coup. Deuxième produit que j'ai acheté, c'est la poudre compacte HD de chez Make Up Forever, du coup, bah oui. Bah oui, c'est la vente Make Up Forever, donc c'est sûr, ça peut être que Make Up Forever. On n'arrive pas à l'ouvrir. Donc voilà, c'est une poudre compacte toute simple avec un petit miroir. Donc que dire sous cette poudre, à part qu'elle matifie et qu'elle fixe le maquillage. Je sais pas. Et je l'ai payé 10€. Pour terminer avec cette vente privée, j'ai acheté ce petit liner gras en kaki. Donc c'est la teinte L34 vert foncé irisé. Il est bien... Achoum, à tes souhaits. Il est vraiment bien. Il est gras, donc il est très simple à appliquer. Et voilà, vous avez la petite mine rétractable qui est ici. Franchement, rien à dire. J'aime beaucoup. Et je l'ai payé 6€. Et voilà pour cette deuxième vente privée. J'ai fait également des achats sur le site Boohoo. Comme je vous en ai parlé dans mon lookbook, bah justement, toutes les tenues que j'ai achetées sont dans mon lookbook. Bon, je vais vous les montrer. Mais si vous voulez voir à quoi ressemblent les tenues, je vous invite à aller dans le petit i qui est juste ici. Petit update par rapport à cette vidéo. J'ai gardé la combi short. Vous étiez nombreux à me dire que vous l'aimez beaucoup. Et pareil, dans mon entourage, on me disait que c'était très joli. Donc je l'ai gardé. Mais voilà, à quoi ressemble le combi short. Donc ici, vous avez, on voit ici un peu à ce niveau-là, qui est ouvert devant. Et derrière, vous avez un dos nu et vous fermez ici. Par contre, je sais plus le prix. Bon, bref, j'ai pas retrouvé le prix. Et ici, vous pouvez l'attacher. Vous avez une deuxième attache, donc pourquoi pas le faire en dos nu. C'est pour ça que je l'avais un peu remonté. Et je m'étais aperçue qu'ici, c'était un peu. Ben voilà, c'est un peu trop grand pour moi. Oui, c'est pour ça que ma petite Caro, je suis 1m57. Donc voilà, j'aime beaucoup et finalement je l'aime bien en fait. Mais bon, en ce moment c'est pas trop le temps ici pour porter ça, donc je l'ai porté qu'une fois. Ensuite, toujours chez Boohoo, j'ai acheté ceci, donc vous l'avez vu également dans mon lookbook. Donc c'est un t-shirt avec les épaules dénudées que vous avez ici. Vous pouvez l'ouvrir, bah, vous avez une fermeture et j'aime beaucoup la couleur pour l'été, c'est top. Le petit t-shirt rock, je l'adore trop celui-là. Par contre, il est un peu trop, voilà, il est décolleté à ce niveau-là. Vous avez ici, comment on appelle ça déjà? Le ras de cou, enfin voilà, je ne sais plus. Le couchers. Bon bref, c'est galère de faire un haul en vrai. Il est décolleté ici mais un peu trop bas à mon goût. Donc du coup je rajoute une petite brassière noire et ça passe crème. Ensuite on va passer au cadeau d'anniversaire. Un vêtement que j'ai reçu pour mon anniversaire. Donc là ma mère m'a acheté des choses de chez Pinky. Donc maman, si tu passes pas là, je te fais des gros bisous. Merci encore. Elle m'a acheté des pulls aussi mais ils sont chez mes parents. Donc je vous les montrerai pas, je les ai pas sur moi. Voilà. Donc dans un premier temps, comme elle a vu ma vidéo avec le combi short, elle m'a acheté un combi short. Vraiment il est trop beau. Elle est vraiment trop bien. Et c'est dur de faire un haul. Vous étirez tout. Ici vous avez voilà, il y a un petit dos nu ici. Franchement il est trop beau. Elle m'a acheté également un petit haut comme ça. Oh, et franchement c'est trop la mode en ce moment. J'en vois partout avec des petits froufrous là et ici un peu remonté. Comme j'ai une petite poitrine, ça donne du volume. Donc ça fait super beau. Franchement il est trop bien et on le sent pas. On sent pas sur la peau, je me sens comme si j'étais à poil, mais je suis pas à poil. Donc en fait j'ai pas trop chaud. En fait j'ai pas chaud, donc c'est trop bien. Quoi que ça, j'en vois partout des gens comme ça, c'est revenu à la mode. Je me souviens quand j'étais au lycée, c'était la mode, les slim colorés. Là, paf. La couleur elle pique aux yeux, mais franchement, enfin je sais pas si ça a le même rendu à la caméra, non. C'est un peu moins flashé à la caméra, mais en vrai il est plus rouge que ça. Il est trop beau ce slim, j'aime beaucoup. Par contre il y a plein de poussière.
Ça, non, c'est des poils de chat. Gipsy, toi, t'as été dans mon pantalon. Il doit être confortable, dis donc. Approuvé, testé par Gipsy. Oui, oui. Et pour aller avec tout ça, elle m'a acheté des baskets. Donc voilà, les petites baskets, on est vraiment bien dedans. Puis vous avez des petits détails, là. Enfin, c'est lisse ici, c'est un peu rugueux. Enfin, non, j'aime bien. J'aime bien ces baskets. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ce haul vous a plu. Enfin, est-ce que c'est vraiment un haul? Oui, non, bon, bref. Je sais pas trop. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez fait les soldes. Enfin, si je puis dire, les soldes d'été, puisque là c'est des ventes privées. Donc, soldes, ventes privées. En tout cas, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux que je vous mets juste ici. Vous aurez toutes les informations. Et puis, pourquoi pas partager des choses avec vous. Et puis, rejoignez-moi. C'est gratuit, les amis. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Et on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, faites attention à vous. Bye.